Je m'appelle Clément Rambintsou, président de l'association des natifs de Manandou Nantsirabé 2 à Madagascar. Actuellement, je suis à Angers avec l'association Anjou Madagascar et on est en train de visiter un beau domaine de Monsieur Soltner Dominique, un ingénieur, un professeur. Même, on a reçu aussi des cours de formation théorique et pratique concernant surtout l'utilisation des nouvel outil, le bioneur. Et il a démontré ici un outil très utile, à mon avis personnel, pour les paysans de Manandoune, de Madagascar, pour tout Madagascar. Parce que c'est vraiment un outil très facile à manier, très facile aussi à fabriquer chez nous, avec toutes les matières adéquates et les personnes aussi, les forgerons surtout, qui vont faire très bien. Notre projet, c'est la mise en place des pépinières et la réforestation à Manandoune. Ce projet consiste à créer des pépinières dans les 11 fouktans, les 11 villages de la commune. Nous avons reçu exactement un soutien de l'AMP avec l'appui de l'association Anjou Madagascar, une allocation un financement de 15 000 euros. Ça va nous permettre de protéger notre environnement, de lutter contre la dégradation et la déforestation chez nous. Le projet a débuté depuis le mois de septembre et actuellement on est en phase de transplantation, rempotage des jeunes plants qui atteignent maintenant la taille de 15 cm à 20 cm. On va les reboiser à la période de pluie, février 2019.